Hey, coucou YouTube, c'est Bifarm24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, j'espère surtout les amis que vous pétez la forme. Bienvenue les amis pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur de Last Country. On est sur du Red Dead Redemption 2, version RP. Le lien du Discord, du serveur est dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de le rejoindre, il suffit juste de cliquer dessus et de faire les démarches nécessaires. Sur ce les amis, c'est parti, on va tout simplement continuer la suite de cette aventure. D'ailleurs les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement et de votre soutien durant cette aventure. Cela me fait extrêmement plaisir. Il va falloir que je reprenne le RP correctement, comme à l'époque sur Arma, qui je vous rappelle, c'était là-dessus que je faisais du gros RP. Ne vous inquiétez pas, les comportements, la façon de parler, etc., ça va revenir avec le temps. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Maintenant les amis, c'est parti, let's go. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, on était parti chercher des minerais, etc., et les minerais, logiquement, je pense que je les avais posés à la banque. Donc il va falloir que je les récupère à la banque. Et ensuite, les amis, il va falloir que j'aille faire fondre mes minerais. Donc c'est parti, on va devoir aller à Blackwater. Si je dis pas de bêtises, c'est là-bas que ça se passe. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est bien à Blackwater. Ça va, je dis pas de bêtises. Les réflexes commencent à revenir. Donc c'est parti, les amis. Je vous retrouve juste après, car le chemin est plutôt un petit peu long. Je vous dis à de suite. Ok les amis, je suis à Blackwater, ça y est, enfin les amis, je vais pouvoir aller direction la banque ici même. On va faire ceci, on va aller dans le coffre. Et ici, on va prendre nos fameux minerais. Donc tout de suite, c'est parti, let's go. Je vais également prendre... Là j'ai de la roche, etc. Mais c'est ce qui va me permettre au fait de faire de la pierre. Ok, là j'ai du bois. Et je peux pas prendre parce que je suis rempli. Je suis rempli à bord, les amis. Ok. Par contre, il va peut-être me falloir un petit peu d'argent. Peut-être pour la fabrication, j'imagine. Je vais peut-être retirer au moins 15$. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être tranquille. Hop, comme ceci. Ok. On va passer par la petite ruelle. Je vais essayer de faire quand même attention, on sait jamais. Ok les amis, deuxième barre réussi. J'ai réussi donc à faire un lingot de cuivre et deux lingots de fer. Je vois qu'il me reste encore du cuivre, donc j'imagine que je peux encore peut-être en faire une. Je vais faire demi-tour et je reviens. Est-ce que je peux? J'ai pas... Ah si, je peux. On voit, c'est écrit fonte. C'est trop peu pour une barre. Ok, donc là je peux pas plus les amis. D'accord, intéressant. Donc là j'ai réussi à faire un lingot de cuivre et deux lingots de fer. Ok. Là, ils sont... Ah oui, il est en train de tout casser lui. Le mec il est énervé. He's a crazy man. Donc maintenant les amis, il va falloir que je comprenne qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci. J'imagine qu'il y a des choses à faire. Il va falloir que je le découvre. Hello, vous savez que je suis en train de penser qu'il y a du coton. Genre j'imagine qu'avec le coton on peut faire des choses. Le tabac c'est pareil j'imagine. Morning, sir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Hello mister. How you been keeping? Okay. Just fine, thank you. Bonjour monsieur. Donc là les amis, on va déposer un peu d'argent parce qu'on en a beaucoup sur nous. Je vais poser au moins 8$, comme ça moi je suis tranquille. Dans le coffre les amis, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les minerais. Parce que là personnellement, on en a pas besoin. Donc là j'ai du minerai de cuivre. Minerai de fer. Et puis c'est tout, le reste je vais le garder. Parce que je pense qu'on peut faire des choses avec. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et je vais peut-être récupérer ma table. Voilà, comme ceci.
Donc là, on a Billy Bob. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Billy Bob? Bonjour, pouvez-vous m'aider? Il y a une livraison prête pour moi à Fort Millis. Pouvez-vous aller la chercher? Bah, ouais, bien sûr. La position a été marquée sur votre carte. Alors, pour ceux qui se demandent, parce que moi, au début, j'ai vraiment pas fait attention. Logiquement, c'est fait par ce petit truc-là. C'est un petit point qui est comme ça, les amis. Vous voyez? Il est en blanc et ça attire, en fait. C'est fait exprès. Donc, c'est ça, là-bas. Donc, on va y aller tout de suite, les amis. Let's go. Ok, les amis. Je viens de ramasser la livraison de Billy. Et on va tout simplement le ramener. Donc, c'est parti. Let's go. Oh, j'ai peur. C'est pas possible, j'ai peur. Oh non, j'ai peur. Non, mais j'ai peur. Ok, les amis, on arrive à Billy. On va lui rendre directement sa marchandise. Hop. Oh, voilà, Billy. Merci beaucoup, Billy. À la prochaine. Bon, ça nous paye que 2$. Mine de rien, c'est pas grand chose, mais. Ça peut nous emmener sur différentes choses. Par contre, je suis en train de penser à une chose, les amis. C'est... je suis jamais rentré dans le saloon, là-bas. Je vais peut-être me prendre un petit bain, hein. Pas de bain de luxe, genre... eh oh, c'est bon. Déjà, tu te laves, c'est déjà bien. Voilà, frotte-toi bien la tête. On est un petit peu sale depuis le temps. Tu vas pas demander non plus, je sais pas quoi là, c'est bon. Il est fou lui. Allez, frotte-toi bien correctement. Faut se frotter, vas-y, frotte-toi. On est un petit peu sale quand même. Un petit coup encore, c'est jamais. Voilà, c'est bien. Allez, maintenant, sort du bain là. C'est bon. Pas trop propre non plus. On a un cow-boy ou pas? Regarde avec ma tenue en plus là, je ressemble à rien. Allez, on s'en va là. Il est fou lui. Il veut tout avoir, l'argent du beurre, tout lui. Oh là! Oh bon sang, bonsoir. Oh aïe aïe aïe. Ça va, messieurs? Ouais. Oh, quelle frayeur. Oh là là. Bah, je m'attendais pas à celle-là. Oh, bonsoir. Oh, cette frayeur. J'ai mangé mon pain. Cette frayeur. J'ai cru que ça allait foncer sur moi, hein. Je me suis dit, encore avec la chance que j'ai, ça va venir sur moi. Oh putain, j'en peux plus de ce jeu. Je sens qu'on va bien rire. On va bien rigoler sur ce jeu. Depuis le temps que j'attendais un western RP. Aïe, 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 on va bien rigoler. Vous savez que le pire, ça se trouve c'est de ma faute. Hein. Ça se trouve c'est moi qui les ai attirés de là-bas, jusqu'ici. Mais des fois, de temps en temps, je sais qu'ils viennent ici quand même. Hein. C'est bien, ça rajoute de l'animation, c'est cool. Bien joué. Ah, c'est les petites peaux ou les cuirs. Donc c'est pas celle, si vous avez pris ça sur un chevreuil ou sur un grand animal, c'est ça, vous pouvez juste la vendre au boucher. Il faut ouais, un blaireau, un raton laveur. Non, non, le lapin, vous récupérez juste un peu de viande. La peau n'est pas assez épaisse pour faire une courbe. Blaireau ou raton laveur ou opossum, je pense. Vous voyez, New Hanover à peu près. Enfin, c'est pour vous faire une gourde. Bon, attendez, j'en ai en stock. Hein. 2 secondes. Je vais vous en donner une. Ce que j'aime bien, les amis, c'est ça. C'est l'aide qui est entre les joueurs et tout.
voyez, il y en a un, je sais qu'il y en a, ils font les gros clichés sur le voie externe, genre direct braquage, genre, vous voyez, direct. Genre, il n'y a même pas une histoire avant, ils vont direct sur le braquage. Tandis que là, vous voyez, il y a des joueurs entre eux, hop, ils commencent à mettre leur background en place. Pour l'instant, ils s'entraident, etc. Et puis après, à un moment donné, bah, ils vont faire leur histoire par rapport à ce qui s'est passé, etc., etc. Et ça, je trouve ça vraiment stylé de ouf. Écoute, moi, j'ai vendu 30 bois à 20$ et après, je lui ai vendu 30 bois à 9$. Je pense qu'il m'a baisé. J'ai vendu, je sais pas, 4 morceaux de bois peut-être, j'en ai eu pour 3,80$, un truc comme ça. Ah ouais. C'était bien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Parce que oui, j'ai commencé, puis après j'avais d'autres choses à faire, alors du coup j'ai fait, bon, j'ai coupé 2 morceaux de bois, je vais aller revendre ça, histoire de faire des petites pièces de monnaie, et puis voilà quoi. On espère qu'aujourd'hui, il va augmenter le tarif. Il achète moins cher aujourd'hui. Ah, il achète prix normal, je crois. Ouais, il achète prix normal. J'ai regardé sur le journal tout à l'heure, prix normal, ouais. D'accord. Ouais. Bah, c'est un peu dommage, mais bon, au moins ça fait un peu de thunes, quoi. Ouais, il faut. Ouais. Bah. Dites-moi, vous savez, on peut vendre des lingots. Des lingots du quoi? D'or, de cuivre. D'or, c'est à la banque. Or, c'est à la banque, et cuivre, etc. C'est aux marchands d'armes à Saint-Denis. D'accord, et les banques, c'est partout? Les banques, je crois, non, c'est Saint-Denis aussi. Mais ça va vous rapporter quoi? 50 billets peut-être le lingot? Ah oui, d'accord, ok. C'est déjà, c'est déjà bien quoi. Merci pour l'information. Derrière. Vous savez s'ils vendent des flèches à Saint-Denis, on m'a dit que... Je crois qu'il y a que les Indiens qui en vendent maintenant. Oui, c'est alors, les Indiens. Alors, faut trouver un camp d'Indiens. Ouais, faut trouver le camp d'Indiens, quoi. Vous pouvez les croiser à Valentine. Ouais, exactement, j'ai des amis indiens. Les Wapiti. Des très bons amis, d'ailleurs. On a fait beaucoup de commerce et beaucoup de voyages ensemble. Ils sont fiables. Ah oui, c'est très fiable, ouais. Intéressant, ça. J'ai croisé un petit qui s'appelle Naïeti et puis leur chef. Enfin, je sais pas comment il s'appelle leur chef et puis... Mais bon, il est quand même sympa, leur chef. Ouais, il faudra que j'aille le voir. C'est un tout petit homme, il est tout petit. Bon, après, contrairement à moi, c'est vrai que tout le monde est petit, mais bon, il était vraiment encore plus petit que vous, quoi. Donc, bon, il m'arrivait même pas à la cheville, façon de parler. Ouais, 2m05 en compteur, vous rendez compte? Ah oui. Ouais. Bon, c'est handicapant, hein. Moi, je pense pas que je vais vivre longtemps. Oh, ne dites pas ça quand même. Ah, bah, vous savez, j'ai des problèmes de dos, etc., donc bon. Ah oui. Bah ouais. C'est à votre femme qu'elle vous masse le dos. J'ai pas de femme. Merde. Pas de la mienne, ouais, si vous voulez. Merde. Non, c'est vrai, je vais la casser en deux après. Merde. C'est pas grave, elle est déjà cassée. C'est pas grave. Non, j'ai pas besoin de femme. Moi, je suis pas trop. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Eh bien, bonne journée à vous aussi. Bon courage, monsieur. Courage. Merci. Il y en a, je vous jure. Ils font trop rire. Par contre, j'ai pas regardé. Ça se trouve, il y a un mec qui est allé voir mon cheval. Faites attention à vos chevaux. Hein. Du coup, vous voyez les amis, j'ai encore chopé quelques informations. Ça, c'est vraiment sympatoche. Toujours demander, hein. Il faut pas hésiter. Et des fois, on tombe sur des conversations qui peuvent être très intéressantes, comme ici même. Donc, les informations ne sont pas rentrées dans un oreille d'un sourd, comme on dit. Et puis voilà. Donc, c'est parti, les amis, let's go. Et ben voilà qui pleut maintenant. Content de merde. Oh oui. Oh.
Bonjour, messieurs. Bonjour, ma chère Bonjour, dame. Madame. Quel temps de merde. Bonne journée. Également. Journée, madame. Bonne journée, monsieur. Plus de cordes aujourd'hui. Ah oui. Vous avez un chapeau, ça va. Messieurs. Ah oui. Parce que j'ai. Monsieur, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai pas de cheveux, sinon j'aurais la tête toute trempée. Ah, c'est sûr, bien sûr. Oui. Je réfléchis, je pense pas que je vais aller travailler aujourd'hui. Je pense que je vais aller me calmer un petit peu le temps que qu'il fasse un petit peu beau. Ouais, et après ça, je vois ce que je peux faire, ouais. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Monsieur. Également, merci. Au revoir, monsieur. Allez, Jumper. Evening, friend. Eh bien, les amis, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Ça sera pas mal pour aujourd'hui. J'ai chopé pas mal d'informations. C'est plutôt cool. Maintenant, je sais qu'il y a des choses à faire. Que je vais découvrir encore, donc on va aller encore plus dans le RP, dans les actions qu'on va pouvoir déclencher par la suite. N'oubliez pas les amis, très important de lâcher un maximum de pouces bleus qui permettra de mettre la vidéo en avant et de me faire connaître sur le monde de YouTube. Également de commenter pour dire ce que vous en pensez un petit peu de cette série et également de partager cette vidéo au maximum. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre le Discord du serveur de Last Country. Si vous avez envie de jouer, bien évidemment. Et si vous voulez rejoindre mon Discord, le lien est également dans la description pour avoir beaucoup plus d'informations, que ce soit sur moi, sur ma vie IRL lorsque je suis absent, etc., etc. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui me suivent. Cela me fait extrêmement plaisir. Bye bye tout le monde.